Et ça tout le monde, c'est Azuric Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 75 de notre aventure Crafted World. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 75. Souvenez-vous d'un épisode précédent les amis, on avait déjà au cas où terminé le jeu, entre guillemets. Donc oui, on avait terminé l'histoire principale, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, dans lequel on avait affronté, du coup, le fameux The Supremacy de Bowser, avec, du coup, dans lequel il fallait tout simplement lui renvoyer un petit peu les choses qui nous envoyaient à la gueule, en fait, tout simplement, le fameux truc à crayon, le fameux rouleau et tout ça. Et en plus, du coup, on devait, pendant la deuxième phase, le bébé méga bébé Bowser, je sais plus comment il s'appelle exactement, il y avait un compteur de vie sur son ventre, et en fait tout simplement il fallait le taper avec des choses qui nous envoyaient aussi à notre gueule, et en fait tout simplement il fallait presser un bouton, et en fait du coup ben voilà, et on avait du coup terminé le jeu parce qu'on avait terminé en tout cas le jeu au niveau de l'histoire principale au niveau de ça, on avait du coup fini Ombreville normalement. Et moi je croyais que ça allait s'arrêter là les amis, et finalement les amis, une surprise, enfin plusieurs surprises nous attendent. Parce que au cas où, il y a un, je sais plus comment il s'appelle, Petito Bricolo, je crois, une connerie comme ça, qui en fait se cache dans chacun des stages du jeu, dans lequel il faudra aller du coup aller les récupérer. Donc comme je vous ai dit du coup dans l'épisode précédent, on fera du coup un épisode par stage. Voilà, donc on fera un épisode par stage, tout simplement. Un épisode par stage, non, pas un épisode par stage, un épisode par monde, pardon. Donc voilà, donc déjà ça nous réserve pas mal de petits trucs. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Et aussi, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Et aussi, du coup, les amis, on avait débloqué un tout nouveau monde, les fameuses terres un peu bizarres. Donc, c'est un nouveau monde, tout simplement, assez bonus, qu'on pourra du coup faire à la fin de cette aventure. On va d'abord s'attaquer au fameux Petito Bricolo, et puis après, on fera le dernier monde, tout simplement. Et pas que, en fait, aussi, les amis, souvenez-vous, on avait également la possibilité de réaffronter les boss pour avoir tout simplement le meilleur temps à chaque fois. Donc, vous avez vu, par exemple, pour le face à Lu le Condor, dans lequel il faut, par exemple, terminer le boss en 1 minute 25, terminer le défi sans subir 2 dégâts et attacher un aimant quand le visage du boss est rouge. Donc voilà, donc ça, c'est des petits défis qu'on fera du coup. Ben, comme je vous l'ai dit de base, un boss par épisode, ça peut être bien aussi. Donc voilà, un boss par épisode, je pense pas faire les 5 en même temps. Je trouve ça un peu trop. Donc, et d'ailleurs, sachant qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. On s'organise quand même un planning, donc déjà au niveau du petit Bricolo, peu importe le temps, ça sera un épisode tout simplement par niveau, par monde, on va plutôt dire, par monde, donc Locoville, on va y retourner, hein, donc il faut retourner sur les différents mondes, on fera un épisode là et un épisode là par exemple, comme ça, moi vous savez ce que je veux dire, et au niveau du coup des boss à la chaîne, on fera un épisode par niveau, donc il n'y a pas beaucoup de boss aussi, il y en a 5 normalement dans le jeu, donc 1, 2 en haut, en haut, 3 au milieu, 4 en bas à droite, et du coup 5, oui, donc ça réserve aussi 5 autres épisodes, les amis. Donc voilà. Donc les amis, et du coup en plus du coup les fameuses terres qu'on ira à la fin une fois qu'on aura tout fini pour le moment. Et donc du coup les amis, c'est parti pour Locoville. Donc ça fait très bizarre de revenir du coup sur ces anciens niveaux. C'était c'est le tout premier niveau. On a débuté le jeu ici tout simplement, dans lequel on découvrait les mécanismes de ce jeu. Et en gros tout simplement on peut voir que du coup le cache-cache se joue qu'uniquement en recto. Et on va du coup voir un petit peu ce que cela donne. Alors du coup vu qu'il y avait des pièges à con, cela veut dire qu'on va peut-être devoir quand même faire attention au niveau des pièces. Donc en fait le fameux petit Bricolo, une connerie comme ça, il faut lui envoyer un œuf dès qu'on le voit. Et dès qu'on le voit du coup on lui envoie un œuf et on verra du coup ce que ça fait. On verra un petit peu ce que ça fait. Mais voilà, donc je sais pas quoi il ressemble précisément, donc on verra, hein. Donc est-ce qu'il peut être caché derrière un décor ou quoi, donc je pense que on va pas avoir le choix, on va peut-être devoir tout viser. Mais bon écoutez, ça me dérange pas. Il faut aussi faire très attention devant parce qu'on peut quand même se faire baiser devant. Mais ouais, donc il faut regarder de partout quand même. Essayer de pas non plus se faire trop baiser. En tout cas, ça fait ultra bizarre de revenir pour ce premier niveau. Ça me fait ultra bizarre. Ah oui, avec des petits tutoriels. Voilà, Yoshi volant, évidemment. Ah oui, il t'explique en plus le tutoriel derrière. Putain, ça remonte il y a tellement longtemps. Où, il y a 74 vidéos, enfin 74 épisodes.
Mon dieu, vous vous en souvenez de l'épisode 74? Ben pas moi. Ça, dites-vous, ça remonte il y a tellement longtemps maintenant, 3 ans chez moi. What the fuck quoi. 3 ans, ça commence à être un peu lent. Alors je sais pas à quoi il ressemble le petit au bricolo. Honnêtement, je sais pas à quoi il... Enfin, dans le sens, à quoi ça ressemble vraiment? Alors je sais à quoi il ressemble le bonhomme, mais ça c'est censé ressembler à quoi en fait? La trouvaille. Au moins pour la première fois, pour savoir un petit peu ce que c'est. Toi, je t'ai vu, hein. Eh oui. Ok. Le petit train qui passe. D'ailleurs, magnifique. Ok, y a rien. Bah, il faut quand même tout vérifier, on sait jamais. Ça peut être caché derrière un élément de décor ou quoi, à mon avis. Bah, je pense quand même c'est un truc assez fun, mais assez quand même compliqué à voir. Donc, il faut quand même jeter un petit coup d'œil de partout. Est-ce qu'il bouge, à votre avis? Je sais pas si est-ce qu'il pourrait bouger. Ou est-ce qu'il il ne bouge pas tant qu'on l'a pas capturé, quoi? Je sais pas. Oh, ok. Thank you. Pour le moment, on l'a pas vu. Putain, s'il a... Par contre, s'il a chaque fin de niveau, on va pas s'en sortir. Je vous jure. Ouais. Ouais, je vise tout parce que tu te dis... est-ce qu'il est bien à cet endroit-là? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ok. Ah, j'ai plus de... Ah, ça va. Allez, tu vas pouvoir réavoir des œufs ici. Toi, je t'ai vu devant. Ouais. Là, on vise. Non, il n'y a rien. Je sais pas s'il peut être caché derrière un élément du décor. Donc, vraiment, je profite de tout user. Donc, c'est encore un travail de recherche, tout ça. C'est pas fini. Ok. Pour le moment, je ne le vois pas. Je ne le vois pas du tout. Non, je ne le vois pas du tout. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait être caché. Ah bah putain, what the fuck. Alors du coup, peut-être on mettra pas un niveau... Enfin, un... Ouais, je pense pas que du coup on mettra un épisode par niveau, hein, parce que... Enfin, par un niveau. Par monde, hein, parce que si... c'est, il y a des niveaux, il y a 4 niveaux. Enfin, il y a des mondes, il y a 4 niveaux. Donc, si c'est aussi long que ça... Les amis, je veux pas non plus trop tenter le truc, quoi. Thank you. Oui. Je sais pas où il est. Alors, s'il est ici, honnêtement, avec tellement d'éléments à analyser, ça va être compliqué. Hein. Donc, on va quand même faire très attention parce que j'ai pas envie de le louper. Ok. Ouais, j'essaie de regarder si on l'aperçoit pas, mais je ne l'aperçois pas. Hein. C'est... Ah, je crois l'avoir trouvé, les amis, c'est ça. Hein. C'est la fameuse boîte bizarre, non? C'est ça. On l'a trouvé. Oui, 1 sur 43, d'accord. Ah d'accord, il y a vraiment 43 niveaux. Bon ben, petit tir bricolo trouvé. Bon ben, on va pouvoir quitter le stage. Bon ben, tant mieux, écoutez, ben, du coup, on sait à quoi il ressemble, donc ça ne bouge pas, malheureusement. C'est juste un petit carré à trouver, comme ça. Bon ben, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors certes, c'est un épisode court, mais bon, voilà, quoi, c'est comme ça. Donc il faudra quand même faire très preuve de vraiment d'intention pour les prochains. Il y en a 43 trouvés. Est-ce que ça fait un truc de spécial quand on en trouve un? Non, pas du tout. Bah écoutez, ça fait plaisir. Au moins, on aura fini avec ça. Alors, je suis désolé, les amis, j'ai les cheveux qui font que des conneries. Aujourd'hui, bah putain, il veut pas ou quoi? Mais alors attendez, j'ai un problème. C'est bon. Donc, les amis, voilà. Donc, du coup, bah, c'est fini pour le petit tuto bricolo du premier monde, hein, la Locoville. Donc, on n'a plus d'autres mondes. Enfin, on n'a plus de niveau dans ce monde-là. Donc, du coup, bah, dans l'épisode prochain, on ira s'attaquer au Porphibus. Donc, Porphibuste, pardon. Donc, dans lequel, en plus, il y a 2 niveaux. Donc, est-ce que je ferai les 2 niveaux? Tout dépend du nombre de temps. Hein, si on galère pendant 20 minutes à trouver un, bah, pas mettre 1h30 finalement pour aller de l'autre, hein, trouver l'autre. Donc voilà, tout dépend du nombre de minutes qu'on mettra pour ces niveaux-là. Mais en tout cas, voilà, donc dans l'épisode prochain, l'objectif en tout cas est tout simplement de prendre, enfin, de trouver les 2 petits bricolos machin chose. Et puis voilà, petit tio bricolo. Moi je suis content, j'en ai déjà trouvé un. Alors
est-ce que c'est... Je sais pas, ou... est-ce que c'est mis à un endroit? Je sais pas, non, je pense pas, hein. Je pense pas, je sais pas où ça pourrait être mis, je sais pas. Bon, bah, en tout cas, voilà, on en a trouvé un. Je sais pas ce que ça fait quand on trouvera les 43. Mais en tout cas, voilà, merci les amis de m'avoir suivi, du coup, pour cet épisode 75 de notre aventure 100% sur Vieuxchis Crafted World. Et on se retrouvera, du coup, bah, logiquement, la fois prochaine pour l'épisode 76. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.